pour créer des groupes. Je vous propose de simplement vous mettre dans une situation de ne pas le penser comme une scène en termes sacrés, mais de le penser comme une table, comme un repas de famille, et de dresser cette table ensemble. Le premier passage, on va vraiment travailler simplement cette cohésion de groupe, cette idée qu'on fait tous partie d'un même corps, d'une même famille, tout le monde s'aime. Donc on va juste créer cette situation donc de manière très quotidienne pour voir comment on se regarde, comment on se comporte par rapport à cette table, comment on écoute la présence de l'autre et comment on peut témoigner ce rituel de repas de famille. Voilà, on va changer un peu les musiciens, on va tester les choses, on est là pour tester. Par deux, ça commence les yeux dans les yeux. Voilà, très bien, sans perdre. Et de sentir aussi qu'est-ce qui se passe quand vous, voilà, dans les temps, dans les qualités, voilà. D'accepter aussi, par exemple, elle est avec, vas-y, on dit, elle avec lui, et à un moment donné, je la touche. Voilà, comment qu'elle soit d'autre, elle peut te donner des choses. Voilà, tu es avec lui, tu peux être avec ça. Tu peux être avec elle, tu peux lui donner la main à lui. Voilà, de voir comment. D'autres choses, vous êtes en relation, mais d'autres choses vous arrivent.